Oui, Sou. Je m'appelle Mélanie. Je m'appelle Lina Zen. Est-ce que vous avez vu un changement de la clientèle ? 因为比利时是一个多元文化国家，他们前段时间有这个病，他们就少来中餐馆，可以去吃意大利餐、西班牙餐，还有我们这里餐馆主要是中国人，中国的商务团、旅游团客人来很多，但是现在中国的商务活动、中国的游客都没有了，你翻译给他。Il a dit que ça a impacté le commerce. Les clients ont peur de venir dans des restaurants asiatiques pour peur qu'ils attrapent la maladie, le virus.Alors, ils se dirigent plus vers des restaurants italiens, français ou des choses comme ça. Et la Belgique est un pays où il y a beaucoup d'histoire, etc. Et alors, souvent, les Chinois, ils viennent ici en voyage. Et alors, ils viennent souvent manger ici. Et vu qu'à cause du virus...On ne sait plus transporter les gens de la Chine jusqu'à autre pays. C'est ça le gros problème. 他说就是我们就是因为有这个病嘛，然后客人就会感觉什么问题，然后有什么人会过来帮我们，就像重要的人过来帮我们。客人是没什么，就是比利时很讲究多元文化，客人这里本地客人没什么变化，主要是中国的商务团出来少，中国游客少了，还有那个其他的自救措施呢，我们有自己的商会、同乡会，大家配备那些洗手液啊，那个消毒水啊，喷门。还有洗手液给客人，然后我们家里还配了口罩，但是别人不戴，我们也不戴，好。自救。就是谁给我们的那些东西？我们自己商同乡会商会。是什么东西？是我爸爸的，比方都是那个做餐饮业的，一个协会。On a reçu aussi beaucoup de masques.Et de hydratants pour les mains, grâce à une formation, je crois, à un groupe de restaurateurs chinois, et on a reçu ça grâce à eux. Dans la ville de Bruxelles, vous n'avez pas de visite ? Non, aucun. Il a dit que nous avons une ville, nous avons une ville, nous avons une ville, nous avons une ville, nous avons une ville. Cette ville ? Non, avec une ville.Votre message pour la famille qui est là-bas. 中国在中国的。你想对他们说什么？就是让家里的爸爸妈妈放心，我们在这里都很好，这里的民众高度自由民主，还有比利时很讲究多元文化，很包容，叫他们放心，让他们放心。Il a dit que il dit que ils doivent pas s'inquiéter parce que on n'a pas de souci ici. Il a dit que la Belgique est un pays où il y a beaucoup d'histoire, etc. et que l'État s'en préoccupe beaucoup. Et voilà, c'est à peu près ça. Et toi à l'école, est-ce que ça se passe bien ? Oui, ça va. Il n'y a pas eu de problème avec les moqueries ou autre chose ? Oui, il y a eu quelques moqueries, mais je m'en fous un peu. C'est plus les personnes étrangères qui sont plus impactées et qui font plus des moqueries. Oui, ils ont un peu changé à cause du virus.
Et je crois qu'ils sont... Ils croient que tout le monde et tous les Asiatiques sont contaminés. Et il y a des problèmes comme ça.已经在这里开了有13年左右了。Est-ce que vous avez été impacté à cause du corona? Est-ce que la clientèle bruxelloise a un petit peu boudé votre restaurant? 目前为止，我没有发现我的客人有对这种病毒有太大的就是反感或者是太大的反应，就是他们还是正常的过来吃饭，但是对于我们自己本人来说，还是有一定的担心的，因为毕竟中国有很多这方面的事情，我们一直在关注着，而且就是。每个国家的国情不一样，中国是那边大家都非常严谨，就是遵守这些一定的国家的发布的规定，大家都很配合。然后我们这边国家的颁布的一些条令，跟中国的不是特别一样。我们身在这边，我们也很比较担心，因为像中国的话可以戴口罩，可以就是说出行的话有一些必要的通行证才可以出行，这里的话就是大家就是可以随意的出行，也不需要戴口罩，这一点是我们比较担心的。毕竟因为我们服务业餐馆业面对客人的话，或是一些近距离的接触，因为这种病毒是在一米以内是有传播性的，所以说我们还是很担心。我希望大家都平安，不管是中国还是比利时，大家一起加油。